toujours BST du CGT. Bienvenue sur le téléphone. Samedi 2 février, samedi 2 juillet. Le samedi, l'âme. Alors, le vrai songe du matin. Le vrai songe du matin. C'était comme un grand rond-point. C'était le rond-point de la vie en fait. Comme ici, c'est Carrefour TNL, TNL, TCL. Comme un grand rond-point, et tu pouvais aller, chacun à la direction, c'était un continent. On va dire, tu vois. Et c'était tellement cool que chacun, il n'y avait plus de frontières. Chacun, il allait un peu travailler dans le continent qu'il voulait, faire un peu ce qu'il savait faire. Travailler pour le devenir de l'ensemble, c'était fini là, l'individualité. Là. C'était une époque un peu plus loin, où, ben, comme il n'y avait pas de riches, il n'y avait pas de pauvres, il n'y avait pas de voleurs. C'était tout le monde un petit peu qui travaillait pour le devenir de l'ensemble. Par exemple, je voulais faire une école là-bas, je voulais faire du ciment là, creuser un puits là-bas. Tout le transport était gratuit. Et chacun allait un peu où ce qu'il avait besoin d'aller, ou envie d'aller. Chacun pouvait faire le travail s'il voulait. On t'imposait pas comme cette putain d'état corrompu. Hein. Presque un con à dire, mais même les brebis avaient tricoté leur laine. Là, c'était devenu un monde cool, quoi. Pas un monde de tarés, de barbares comme vous êtes. Et alors, cette espèce de grand rond-point, j'étais là pendant des siècles. Ça va Gérard, il paraît que Tata est reparti à l'Ostro. Eh ouais, ce matin j'ai vu le Samu là. Et après j'ai demandé, c'est ta tante. C'est ta tante. On va partir à l'Ostro. Je vais monter voir s'il y a le petit cousin. Ouais. Voilà, voilà. Ça fait, moi, c'est Julia qui me l'a dit. Là, personne dit rien. Je vais me ramasser un bon, envoyé spatial. Ramasser, voilà. Tu vois, là-bas.